ne s'intéressera jamais assez à l'Académie de France à Rome. La Villa Médicis, qui en est le siège, est un des plus beaux lieux du monde et l'endroit le mieux choisi pour envoyer de jeunes artistes français, jugés parmi les meilleurs, se perfectionner dans leur art. Ils y trouvent le calme, une remarquable organisation de travail, en même temps qu'ils ont l'occasion de vivre longuement dans la ville la plus riche d'histoire, la plus instructive et qui parle le plus à l'imagination. Ça va très vite. C'est toi qui commences à parler, mais très vite, ils vont te poser des questions. T'inquiète pas, s'ils font la gueule sur tout le directeur, ça veut rien dire. J'aimerais tellement la voir. Alors, montre-leur. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Vous vous souvenez de moi? Oui. J'étais là ce matin pour le concours. Vous voulez savoir pourquoi vous n'avez pas été retenu? Vous n'avez pas aimé mon travail? On peut pas prendre tout le monde, vous comprenez? C'est pas vrai. Vous dites ça pour vous débarrasser de moi. Prenez-moi, vous le regretterez toute votre vie. Tout le monde sait que le directeur fait entrer qui il veut. Faites-moi entrer! Posez ça, c'est ridicule. Promettez-moi. Je la pose après. Thank you.
passer par là. Ça, c'est votre jardin. Et cette porte est condamnée, elle entre presque par là. Raphaël ! Vous avez de la chance, vous savez. Vous êtes la seule pensionnaire à avoir un appartement dans le bâtiment principal. Les autres pensionnaires sont dispersés dans les pavillons. D'être très vigilante parce que ça reste un monument historique. Et on finit vite par l'oublier quand on habite ici. Moi, cette année, je ne fais rien. J'écris pas une ligne. Je dors et je te regarde travailler. Je voulais voir si je rentrais dedans comme je suis grande. Et le soir, quand j'ai fini d'écrire et que tu nous as fait à manger, mais tu m'embrasses. Et puis... Chers pensionnaires, chers membres du personnel, je vous rappelle que le directeur vous attendra demain après-midi dans ses appartements pour une réunion d'accueil et de bienvenue. Cari borsisti, cari membri del personale, vi ricordo che il direttore vi aspetta domani pomeriggio nei suoi appartamenti per un incontro di benvenuto. Bien. J'espère que vous saurez mettre à profit votre année passée ici, tout en gardant les pieds sur terre. L'année passe vite, il ne faut pas perdre de temps. Et souvenez-vous que nous sommes tous là pour vous aider. Les raisons d'être de cet endroit, c'est vous. Bon, maintenant qu'on est tous réunis, j'aimerais bien que vous vous présentiez. Je m'appelle Pierre, je vous présente ma femme Céline et mon fils Tazio. Excusez-moi l'état dans lequel je suis, mais je rentre juste de Libye où j'ai fini un documentaire. Je suis venu travailler sur la mafia. Alors si un jour vous ne retrouvez plus mon corps ou que je passe sous un camion... Bonjour, moi je m'appelle Boris, je suis musicien, enfin je suis compositeur de musique, je préfère dire compositeur de son. Et bah, moi je suis venu seul, j'attends personne. Mais bah, je suis pas trop esprit communauté, tout ça, mais je vais tout faire pour m'intégrer. Très bien. Merci. Bonjour, je m'appelle Tosca. Je suis venue toute seule là, mais il y a bientôt ma chatte Angora qui s'appelle Temesta qui va me rejoindre. Je suis peintre. Moi, je m'appelle Camille et je suis... j'écris, voilà. Et je suis venue avec ma fille Raphaël et mon mari, qui est là, Marc.
C'était caché pour toi. Bonjour, alors moi je m'appelle Julie. Je comptais venir avec ma famille, mais mon mec m'a quittée juste avant de partir, donc voilà. Et les enfants ont préféré rester à Paris. C'est bon parce que en fait je voulais leur faire plaisir en venant ici et puis voilà, ben, c'est raté. Ce n'est pas nécessaire de raconter toute votre vie. Accessoirement, je suis musicienne. Je connais bien votre œuvre, j'ai lu tous vos livres. Et je voulais vous dire que lorsque j'ai appris que vous alliez passer cette année avec nous, ici, j'étais vraiment très heureux. On sent qu'il y a un manque de problème quand les gens parlent. Vous voulez dire par rapport à la présentation de tout à l'heure? Oui. On prend un verre? Ah oui? Je vous envie. J'envie la personne que vous êtes et la manière dont vous avez su parler des ténèbres actuelles. De manière directe, franche. À notre année ici, alors. Notre année de travail et de plaisir. Oui, c'est ça. Vous êtes sur un nouveau roman? Oui. C'est secret? Non, c'est encore un peu flou. Je suis très curieux de voir ce que Camille va écrire. J'ai beaucoup aimé son recueil de nouvelles. Elle a du talent. Ah bon? Vous pouvez dormir tranquille. La relève est assurée. Heures. Je fais ce que j'ai toujours fait. Ce que je fais depuis que j'ai 13 ans. Je croyais que tu voulais te reposer. Je me rends compte que ça ne sera pas possible. Pourquoi? Pourquoi ce ne sera pas possible? C'est fou ce que tu es inconscient. Tu penses que tu vas te rouler les pouces pendant un an et que ça va nous faire vivre combien de temps? Je compte pas me rouler les pouces, on vient juste d'arriver. Ça fait 3 ans que tu n'as pas écrit une ligne, tu vas pas me dire que c'est maintenant que tu vas t'y mettre. Tu viens ici pour quoi, tu crois? Moi, à ton âge, j'avais déjà écrit 5 romans. Je dis ça pour toi, hein. Tu sais pas la montagne que c'est que de gagner sa vie avec l'écriture, c'est l'Everest. Tu crois que tu as les épaules? Ta mère m'a toujours dit que tu étais une enfant fragile. Moi, je vais continuer à faire mon travail comme ça, toi, tu pourras écrire sans te soucier de l'argent. Hey, je suis payée ici pour écrire. Oui, mais après? Bon, j'en sais rien. Allez, si tu veux bosser, bosse, je m'en fous. Je note juste un truc, j'en ai pour 2 secondes. Thank you.
arrivé devant ton visage. Quand je t'ai vu le jour du concours, t'étais tellement sûre de toi, j'étais sûre que tu l'aurais. Remonte-le un peu. Moi, je me demande toujours comment j'ai fait pour l'avoir. T'as dû me porter chance. Plus vers moi. Ouais. T'as commencé la photo à quel âge ? Ah, je sais plus, quand j'étais gosse, je crois, je m'en souviens plus très bien. J'ai l'impression d'en avoir toujours fait. C'est génial qu'il t'ait commandé une expo, le directeur. C'est pour quand ? Janvier. La chance qu'il a, César. Il va pouvoir rester ici toute sa vie alors que nous, hop, dans un an, on dégage. T'écris sur quoi ? Sur Lucienne Heuvelmans. C'est la première femme pensionnaire, en 1911, alors que l'académie existait depuis 1666. Elle était sculptrice. Elle a passé 6 fois...